tu es déjà corté, oh! C'est même pas vous bouger une moto, tu es déjà corté, oh! Qu'est-ce que tu fais à corté, toi? Troisième année de putain, tu as corté, tu fais? Mes souvenirs de Corté sont des souvenirs de grande amitié, de fréquentation que je cultive encore aujourd'hui, et puis des souvenirs de repas mémorables. La maison, c'était une table d'hôte, on y jouait de la musique, on y mangeait, on y festoyait, on y étudiait éventuellement, on y étudiait un petit peu, enfin peut-être un peu beaucoup d'ailleurs, mais c'est un melting pot de choses de la vie riches de relations humaines. Quand j'ai eu le bac à Sartène, j'ai décidé d'aller à Corté, quoi qu'il arrive, parce que c'était naturel pour moi de ne pas aller ailleurs, parce que je n'imaginais pas forcément avoir besoin d'avoir un enseignement différent que celui que j'imaginais pouvoir recevoir à Corté. Et grand bien m'en a pris d'ailleurs. Et Corté, parce qu'il y avait une filière qui s'ouvrait, qui était une filière technique de commercialisation. J'avais fait un bac G3 et c'était pour moi un débouché naturel. Après mon diplôme, je travaille pour une entreprise qui vend du vin. Très vite, je découvre ce métier, ce monde, cet univers. Et puis je monte ma boîte en début des années 2000. En parallèle, je poursuis des études encore à Corté avec un DESS ISM, Affaires internationales sud-méditerranéennes. Et c'est très, très efficace parce que quand on est élève à l'UT, qu'on bosse, on n'a pas forcément envie d'établir un pont immédiat entre ce qu'on reçoit et ce qu'on va donner sur le terrain. Et en revenant aux études, ça fait une boucle qui était très, très intéressante. Et je ne pense pas que j'aurais monté mon entreprise de cette manière-là si j'étais pas revenu aux études comme ça en milieu de parcours. Sachant que la formation que j'ai reçue est une formation de qualité, j'utilise beaucoup le système d'apprentissage de l'IUT de Corté. Donc chaque année, je recrute un ou deux apprentis qui travaillent avec nous pendant un an, donc qui se forment en même temps qu'ils que poursuivent leurs études. Et jusqu'à ce jour, j'ai gardé tous mes apprentis. Ce qui est important quand on parle d'études, c'est leur donner leur fonction qui me semble être leur fonction principale, c'est-à-dire l'éveil de la conscience. En ça, Corté a joué un rôle merveilleux. Après, je crois que les études, elles se font tout au long d'une vie et on apprend tous les jours, et notamment dans la discipline qui est la mienne, qui est le vin. C'est une source riche d'enseignements quotidienne. Et